C'est bon, son casque est branché. Bon, l'expérience est sur le point de commencer. On est en train d'établir votre profil, ça ne sera pas long. Tout est stable, je lance la génération de l'univers. Ok, vous allez bientôt commencer votre aventure. Vous allez être immergé dans un rêve créé à partir des données qu'on vient de collecter. On va tout vous expliquer, mais surtout ne retirez jamais votre casque de réalité virtuelle. Il est directement lié à votre activité cérébrale. Attends, viens voir, on a un retour étrange. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas, générateur est revenu. Bon, ne vous inquiétez pas, on va régler le problème. J'ai essayé de relancer le processus, mais c'est trop long, il est déjà... Salut à tous, c'est Matt et aujourd'hui on se retrouve parce que c'est mon anniversaire. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire pour Non, enfin oui, c'est mon anniversaire mais c'est pas pour ça. C'est pour jouer un jeu d'horreur, donc il y en aura de lundi à vendredi. Il y en aura un par jour en plus des vidéos qui sont prévues comme N'oubliez pas les paroles et Planet Coaster. Je voulais faire un jeu d'horreur avec pour thème anniversaire vu que voilà. Mais j'en ai pas trouvé, donc on va jouer à Maher, je crois que ça se dit comme ça, je sais pas. En tout cas, c'est un jeu fait par des Français. Et ça, c'est cool. Donc, là, on est dans une chambre psychiatrique. Donc, désolé si vous me voyez pas, c'est parce que les cartes SD que j'ai ne marchent pas, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est parti. Donc, le but est, je sais pas encore... Parce que tous les jeux d'horreur plutôt que je vais jouer sont des jeux d'horreur que j'ai vu d'un youtubeur. Enfin, il avait fait un top 5 de jeux d'horreur, donc je les ai tous pris. Il faut que vous reveniez rapidement à votre point de départ. On vous ramènera quand vous serez assis sur le chef de transfert. Pour revenir à son point de départ, d'accord. Et donc, je disais. Trouver une autre pièce de transfert, donc la même pièce qu'il y avait au tout début. Oui, et donc le youtubeur qui parlait de cette vidéo, il disait que c'était impossible de terminer le jeu la première fois qu'on y joue. Donc par là. Oh, ça m'a fait peur. Et je voulais dire quelque chose d'autre, mais j'ai oublié. Je sais pas. Enfin bref, donc apparemment, voilà. Évidemment, il y a un enfant qui est derrière nous. Lui, apparemment, il fait rien de mal. Et il y a une sorte de créature, ça s'appelle un mange-lumière. Ça s'appelle un mange-lumière. Et donc, quand on voit les lumières clignoter, je sais pas ce qu'il faut faire. Mais ça veut dire qu'il est là. Donc là... Bon, on va aller là. Je sais pas du tout où il faut aller. Là, c'était pas... Oh, il m'a fait peur. Donc voilà. Si vous avez des idées de jeux d'horreur aussi, n'hésitez pas à me les dire. Des jeux d'horreur gratuits qu'on joue sur PC. N'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et pour que j'y joue, ou pendant l'année, enfin, ou n'importe quand, ou pour Halloween. Je n'ai pas du tout peur. Ah voilà. Là, il y a la créature qui est derrière moi. Ne fais pas de gestes brusques. Ah. Bon bah alors voici le monstre, le mange-lumière. Et donc quand on s'attrapait par le mange-lumière, eh ben on recommence.
quoi de mieux pour perdre du temps. Hein. Donc c'est reparti. C'est bon, son casque est branché. On passe l'intro. Donc en fait, il faut retrouver une salle un peu comme ça. Faudrait que la porte s'ouvre. Alors... Ouais, donc c'est un peu comme une sorte de labyrinthe. Hein. Avec un... Bien, enfin, une créature qui tourne. Il faut revenir rapidement au point de départ. On vous ramènera quand vous serez assis sur le chef d'atmosphère. Mais non. Il me semble que c'est par là qu'il faut aller. Ah oui, c'est là. Ce qui est un peu énervant, c'est que je vois rien. D'accord. Oh, il m'a fait peur. Ah oui, moi, quand il y a des screamers, je surjoue pas. Hein. Et c'est une impasse, d'accord. C'est génial, il n'y a pas de porte sur les côtés. Par contre, c'est un peu ça aussi qui est énervant. C'est que... je suis un peu dans la merde, là. Trop envie de recommencer encore une fois. Je sais pas où elle est la pièce de transfert. Ah bah génial, je vais pile devant lui. Bon, en tout cas je sais normalement où il faut aller. On dirait pas comme ça, mais ce jeu est super dur. J'arrête pas de me faire rattraper par le mange-lumière à chaque fois que je veux tourner à un endroit. Et c'est super chiant. Oh, j'en reviendrai pas, c'est une perte de temps. Je sais où il faut aller, hein, mais je peux pas à cause du mange-lumière. Je sais plus par contre où est-ce qu'il faut tourner. Bah tiens, c'est là. J'ai qu'une envie, c'est ne plus croiser le mange-lumière. Ouais, bon, je vais pas trop y aller. Hein. Alors là... Oh, je sais jamais où il faut aller. C'est ça, ça c'est que de la chance. Hein. Je regarde partout s'il n'y a pas des portes ouvertes parce que comme il fait assez sombre, j'espère d'ailleurs que vous verrez bien. Oh, la chaise. Oh, c'est cool ça. Oh, purée, maintenant s'il faut attendre le chargement et qu'il y a le mange-lumière qui vient. Bah on n'est pas dans la... Ouais, j'espère que ça va être la fin après. Évidemment faut que... Ah, ah non, il y a les lumières qui clignotent de... au fond là pour dire que mange-lumière il arrive. Il reste 30%. Oh non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh non 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 non. Il y a quelque chose de bizarre par contre. Oh non. Oh non. Hein. Next. Our game is made by passion and money. Oh, c'est terminé. Bon bah j'espère que ce jeu et cette vidéo vous a plu. Si ils vous ont plu, vous pouvez mettre un pouce bleu. Si vous voulez pas rater les prochains jeux d'horreur qu'il y aura là, jusqu'à vendredi, vous pouvez aussi vous abonner et mettre la cloche si c'est pas déjà fait. Et bah, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Bye!